Aujourd'hui, on s'intéresse au numéro 1 français des graines germées. Germline est basée dans le Cher, en centre-Val de Loire. Cette PME surfe depuis 15 ans sur les nouveaux aliments, un marché de niche actuellement en pleine croissance. C'est ici, dans la zone des Grivelles, à Sancoin, que se trouve le leader français des graines germées, des petites pousses qui ont le vent en poupe. Là, nous entrons dans l'antre de l'activité de l'entreprise, c'est-à-dire la partie mise en culture, germination des graines. Alors, vous voyez là un appareil de germination tout automatique. Ce sont des machines qui viennent des États-Unis, dans lesquelles on fait germer plus de 20 variétés de graines différentes. Le principe est très simple. On charge des graines sèches à l'intérieur de ces appareils et ensuite on va lancer un cycle de germination qui est entièrement automatisé. Ça va gérer un cycle, une fréquence de rotation, une durée de rotation, une fréquence d'arrosage et une durée d'arrosage, donc à l'eau claire. Et ce sont ces paramètres qui vont permettre à la graine de germer dans les meilleures conditions possibles. Créée en 1994 avec une production unique de germes de soja, l'entreprise s'est positionnée sur le bio en 2001. En diversifiant ses produits, Germline est passé de 6 à 42 salariés en 15 ans et son chiffre d'affaires annuel a été multiplié par 10 pour atteindre aujourd'hui près de 8 millions d'euros. On a deux circuits de distribution principaux. On a les magasins bio spécialisés où là, on va davantage rechercher des graines qui ont un véritable apport nutritionnel parce que les consommateurs des magasins bio les consomment en salade ou en sandwich ou dans des potages ou autres. Alors que le deuxième circuit de distribution, c'est la restauration. Et eux recherchent davantage des saveurs et des couleurs. Donc là, on va explorer des graines comme le chou rouge, le chou violet, les radis pourpres, la betterave rouge, la betterave jaune également. On va rechercher là plutôt la création décorative. La stratégie et l'enjeu de Germline, c'est de vraiment élargir la population de consommateurs de graines germées en présentant des graines germées sous différentes formes de consommation, du petit déjeuner au repas du soir, en passant par le snacking, l'apéritif, avec des pâtes à tartiner d'apéritif, avec des barres énergétiques, avec des céréales de petit déjeuner, avec des crackers qu'on peut tartiner le soir à la maison. À 50 km de Sancoin, la Biocoop de Bourges a été le premier magasin à distribuer les produits Germline depuis leur certification bio. Une relation de confiance est née. Nous, on commande toutes les semaines. Et grâce à ce partenariat, ils ont pu passer sur notre plateforme qui, du coup, maintenant, ils livrent dans toute la France, dans toutes les Biocoop de France. Nouveau défi pour l'entreprise, l'exportation. Pour conquérir de nouveaux marchés, la marque Germline va peu à peu laisser place à un nom plus international, Superfood Veggie. Il y a de plus en plus de véganes, de végétariens qui sont aussi à la recherche d'alternatives aux protéines animales. Et donc, on vient trouver dans la superfood des protéines végétales d'excellente qualité, comme les graines germées en font complètement partie. Avec 3 embauches par an en moyenne, la PME berrichonne affiche une belle santé. Alors, ces aliments du futur, il y a des graines, des salades qu'on connaissait peu, des céréales. Alors, on connaît le chia, le kale, les baies de goji. Quel est le poids de ces nouveaux aliments ? Alors, ces super aliments ne représentent pas une part importante de l'alimentation aujourd'hui, mais néanmoins, ils marquent une tendance, et une tendance qui répond aux cadeaux que nous fait la nature et qui nous permettent de l'utiliser de cette façon-là, et aussi à la pression environnementale qui fait que l'on se retourne vers ce que la nature peut nous offrir. Quand on consomme des algues ou par exemple des graines germées, on a l'impression de ne pas trop prendre à la nature. Pourquoi ? Mais parce que on consomme des choses qui sont déjà dans la nature et qui jusqu'à maintenant n'étaient pas exploitées, n'étaient pas utilisées. La croissance est exponentielle. On peut parler quasiment de doublement chaque année du chiffre d'affaires et des ventes. Soit le consommateur n'est pas encore prêt, soit l'innovation n'est pas en phase. On voit des entreprises qui font des aliments à partir des grillons, d'autres qui font des aliments sans gluten. Beaucoup de petites entreprises, finalement, essaient de se positionner sur ce marché des super aliments. Demain, avec quoi on va se nourrir ? Avec des algues, des graines germinées, des graines ? Ça préfigure l'alimentation du futur ?
Bien sûr, on va se nourrir avec plein de choses qu'on ignore encore aujourd'hui. Et puis, on continuera aussi à se nourrir avec tout le travail que font nos paysans aujourd'hui dans les champs et dans les élevages. Et ça sera un mix des deux. On peut consommer de la viande et consommer des insectes. Graines de chia, baies de goji, le marché des super aliments en France a augmenté en moyenne de 3% par an ces dernières années. Un marché relativement modeste pour le moment, mais la sensibilisation pour avoir une alimentation plus saine pourrait booster le marché dans les années à venir.